Oké, FC Brussels, Antwerp 3-3. Meneer Andrews, trainer van Antwerp, spectaculaire wedstrijd. Uw mening van vandaag? Ja. Nog spectaculair. Wil ik ontzwemmen nog eens? Nee, dat is niet. Ja, ik vind dat de Dowie Mac spreken met een beetje geluk. Ik vind dat we hebben misschien nou de eerste twee kansen die we gehad, die hebben mij 0-2. In de eerste helft we kunnen achter gestaan. En ik vind dat niemand moet op iets gezet, China ook niet. Dus, maar we wisten dat het een moeilijke wedstrijd was. En 2-0. Een collega had een paar wissels gedaan. En dan moet ik zeggen, die eerste goal was, ik vind, een fantastische goal. Van 25 meters. Een fantastisch goal. En het moet een fantastisch goal zijn. Ja, go voorbij onze keeper. Ik vond Mandal was zeker. En dan alles dat je hebt moet zijn. En dan, ja, die reclameert nu. Over, I think it's the tweede goal. The cop ball. If it's the tweede of from the hook shot. Says that he was geblocked and look, the arm was a wicked jumper. Maar dat spoke in wrong for mine. I think at that moment we leaked under. And misschien. Ik moet zeggen dat Brussels heb 3-2 voorkomen. Maar ik moet ook feliciteren mijn spelers dat ze komen direct terug en maken 3-3. En dan ik had de twee kanten gegaan. En moet ook zeggen, Addo had twee kansen in een paar minuutjes en hij onze voorstopper. Maar ik moet ook zeggen, ik vind feliciteren to Brussels. Sorry, misschien dit comes up as a bit of a naive coach, maar ik vind this is what the mensen betalen voor. En zeker in theirs away. It was meer for the winter games, Van Dijk. It was wind, regen, sneeuw. Hagelbollen, I think, happened to, and the blind leg like a skateboard. Maar ik moet feliciteren alle twee ploegs en ook mijn collega voor de manier dat ze gespeeld hebben, dog. Waar hij hier gekomen te proberen te winnen. Maar dat is niet gebeurd. Maar ik denk wat ik heb gezien, mijn dog. Ik ga on Gokul home, daar de fight 0-2. Maar dat pakt het een beetje awake. It would have been smash and grab. If we had here the three punter come and holler. And I think we would deal with it. If I think onze colleague, my colleague, if it did that Ookney and his spelers Ookney to Felisa van Dijk. So, yeah, for us, we go home and misschien we can say, our 2-0 you might holler. But the man here, they could spell van Dijk, he found it was good. So, proficient, yeah. Thank you very much. Thank you. Thank you. Okay, Monsieur Dessy, content avec le point, Dessy avec le 3-2. Non, je ne suis pas content avec le point pour différentes raisons. La première, c'est que nous avons eu, je pense, sur l'ensemble de la rencontre, assez de possibilités pour déjà à la mi-temps avoir un avantage suffisant en notre faveur. On a été très très discret dans le dernier geste, dans les 20 derniers mètres, dans la réflexion, dans le décalage, dans le geste pour terminer. Voilà. Ensuite, sur l'attitude, sur le match, sur nos 20 derniers mètres à nous, je pense qu'on a eu une attitude vraiment affligeante. On travaille depuis des semaines, des mois sur des corrections de positionnement. J'ai l'impression qu'il y a des joueurs qui ont vraiment, vraiment beaucoup de difficultés à assimiler des choses élémentaires si on veut faire une carrière professionnelle. Et que toutes ces petites erreurs nous coûtent des points. C'est très difficile parce que quand on est mené 2-0 et qu'on parvient à inverser le score, je dois reconnaître que sur les qualités athlétiques et les qualités mentales, je pense qu'elles sont indiscutables et que ce n'est pas évident sur ces deux qualités-là de remonter un adversaire qui exploite bien nos faiblesses. Et qu'à côté de cela, je pense aussi que c'est des points importants qui peuvent nous permettre d'avancer. Parce que quand on est bien dans sa tête et qu'on a le mental, on a le physique, je pense que ça doit être de bon augure pour la suite. Mais je pense aussi que si on ne parvient pas à avoir beaucoup plus de consistance dans nos 20 derniers mètres pour défendre,
C'est tout à fait normal que nous soufflons le chaud et le froid, et je le déplore. Je le déplore sincèrement parce que je trouve que même si on a un effectif jeune, on travaille dans des conditions très, très, très difficiles, vraiment très difficiles. Et je trouve quand même que les joueurs devraient avoir beaucoup plus d'ambition que cela. Et je pense qu'entre eux et moi, aujourd'hui, il y a un décalage. Et je n'ai pas envie que ce décalage il s'agrandisse parce que mon ambition, c'est d'essayer de les faire progresser, mais aussi de gagner les matchs. Et quand je vois la situation... J'ai beaucoup de respect pour Antwerp qui est toujours une équipe qui essaye de jouer au football, mais je pense sincèrement, sans aucune prétention, qu'on a largement la place pour gagner ce match, et ça me fait vraiment, vraiment ça m'embête beaucoup, parce que je veux rester poli, de ne pas prendre plus qu'un point ce soir. Voilà, je ne suis pas content, je ne suis pas satisfait, je suis vraiment frustré de ce que les joueurs me montrent dans les 20 derniers mètres offensifs et défensifs. Merci.